On fait un petit causé sur question gouvernement en place là qui fait installer. Et je dis à normalement faire un mois depuis que M. Sarro est installé officiellement dans le pays. Et non, le débat qu'a fait Kounia là, et même si n'est pas beaucoup réalisé rien sérieux, mais il a gagné pour choisir un premier ministre. Premier ministre est négocié choisi, nous connaissons déjà, près de 200 candidats qui sont apparus, nous avons fait campagne dans la radio, télévision, et puis rien pas bail, jusqu'à ce que nous avons choisi descendre à 69 et de 69 et descendre à 13, et de 13 maintenant, c'est à 5. Mais tout cela, c'est une perte de temps selon certains observateurs dans le pays d'Haïti. Parce que nous avons élaboré un décret. Déjà, il y a un décret de trois villes qui est publié. Et décret ça, il dit qu'il a projeté parce que c'est Ariel qui publie de la façon par où. Mais on prépare un projet de décret qui beaucoup jamais car est publié parce que, faute de signature de conseil présidentiel là, le conseil des ministres, qui fait qu'on est que le pape sien. Et puis, au total, il y a gain aussi pour capable présenter, disons, papier selon le décret qui était signé le 3 avril là. Il y a gain 30 jours pour le Bali, qu'on y a là, 30 jours, ça, déjà fini. Et selon, il y a négo, dans 9 membres, il n'a pas déposé papier pour capable prouver que, vraiment si c'est haïtien ou si le pape me l'énoncé de causer. Si maman est aussi haïtien, si papa est aussi haïtien, etc. Bon, on pile condition qui est posée, comme nous connaissons qu'un monde qui est candidat au poste de président, qui condition que la Constitution a demandé, et selon le décret aussi qui s'est demandé. Nous ne pouvons pas retourner sur ça. On parlait de cinq premiers ministres que nous nommer. Cinq premiers ministres, aussi. Il n'y a pas mal de nommer, c'est cinq premiers ministres qui ont choisi pour être capable de nommer un autre. C'est Gary Conille, c'est Paul-Antoine Bien-Aimé, c'est Alix Didier, Fils-Aimé, et puis Jean-Rodolphe Joisil et Fritz Bélisaire. Bon, parmi M. Sarro, il y a deux là-dedans qui étaient déjà Premier ministre. Il y a Fritz Bélisaire lui-même, que nous avons choisi déjà par quatre membres dans la présentation de prestations UA. Et puis, gagné Didier Alex Fils-Aimé lui-même, qui est choisi par le secteur privé. Bon, Gary Conille lui-même, vous connaissez fonctionnaire, Anthony Kelly. Et normalement, pour devenir Premier ministre, il faut le démissionner. Jusqu'à présent, M. Grosjean voulait démissionner. Il n'est pas même dans le pays à mer. Donc, sans que nous allons discuter, Négo s'est demandé dans un premier temps pour que. Et il a choisi Premier ministre. Il a dit, non, il a connu non Premier ministre. Et puis finalement, il a dit que le Premier ministre, c'est mercredi prochain, qu'il y a non Premier ministre. Et il a été maintenant fait pour organiser un débat. En pile critique fait ce débat, parce qu'il a été pour choisir deux ou trois journalistes pour être capable de faire présentation et poser des questions. Eh bien, les journalistes, ils ont refusé. Parce que les auditions perdent 200 curés, parmi lesquels nous avons une capacité Marvel Dandin qui refusait catégoriquement. L'Allemagne lui dit qu'elle parle un masque à ça. Donc, quelle conclusion que nous sommes capables de tirer de l'agissement de cette M. Sarro? Jusqu'à présent, selon tout observateur, les c'est marqué à marquer pas sur place. Le bourreau jambes et faire un bail qui est positif, même, il n'y a pas présenté papier, il n'y a pas nommé un premier ministre, il n'y a pas même publié un décret dans le journal officiel pour mettre correctement sur pied. Bon, qu'on y a là, imaginons qu'on y a là, il y a fait nommer un premier ministre, il n'y a pas publié parce que pas grand-chose. Et législation que Négo répond à lui-même selon le décret pour être fait. Le problème qui vient là, dans la nomination pour le ministre que vous faire là, il dit que, selon le plan que j'ai élaboré dans le décret, que a gagné trois tours là-dedans. En trois tours, ça, première, ce n'est pas consensus,
Deuxième dans, c'est à la majorité. Si pas une majorité, il a passé en troisième tour. Et dans le troisième tour, c'est le candidat qui recevra beaucoup plus de voix. Là, c'est le même qui a passé. Mais, non, même si avant que les faire également, et gros problème, la même majorité de 5 sur 7 là. Et avec le président Stonland, là, c'est le même que le décret au préparé, qui peut publier, et qui va déterminer vraiment et qui est-ce, si son vote de 5 membres ou bien de 4 membres qui va il va le mettre en pratique. Bon, on décrit à propos publié, mais nous pas dit qu'il va le voter et avec une majorité de 5 sur 7. Nous avons bloqué sérieusement là avec Tétio. Nous avons demandé si son pile amateur qu'il a, ou bien est-ce que nous avons venu pour capable de faire un petit argent. Je ne pas penser que la plupart de nous avons eu un poste, à moins que son folie pour voir que nous avons gagné, nous avons perdu du temps, nous avons perdu du temps comme ça. Et parce que rien pour qu'on prépare. Celle que nous avons fait, c'est envoyer des petites notes de presse. Et par exemple, pour la mort de deux Américains qui mourent là, ou bien tout pour la fête des mères, ou bien pour l'autre bail. Donc, c'est des bails banals que Nègre a fait, qui a réalisé, qui n'ont pas vraiment une grande conséquence sur la population haïtienne. Que la population, c'est pas un bal d'achat, mais au moins, un bon consensus qui s'est fait pour que Nègre dirige le pays en remplacement de Ariel Henry qui a bêtisé sérieusement. En quelle nomination concrète pour qu'on fait. Au niveau de la police, en fait, on a crié, fait qu'on est que M. LB a dû bypasser. Et parce que M. LB, pendant 3 ans qui sont passés là, depuis Ariel de là, il n'y a pas aucune réalisation concrète qui fait de la part de LB, aucun objectif par atteindre, au contraire, situation vient empirer. Et puis, le ministre qui l'a tenu là, le ministre de la Sécurité disparu, déjà, c'est eux-mêmes qui t'avoué. Vieux travail avec Ariel et c'est Nexa encore qu'on est là qui a fait et défait dans le pays qui a censé diriger le pays sans que par exemple, le gouvernement qui prend place. Qui question de débat pour le fait? Au moins, un peu journaliste qui est là pour le faire débat. Faire un débat. Il s'agit dans un débat. Est-ce que l'on peut défendre propre politique par eux? Pour être capable de diriger le pays, ou bien est-ce que vous pouvez diriger la politique de président du conseil présidentiel là, qui parle de qui ça, avec une feuille de route qui parle de qui ça que vous le fait. Ou du moins, le premier ministre, il parle de défendre la feuille de route que le conseil présidentiel là a pris sur mettre. Donc, c'est ça, normalement. Et ce programme PAYO, qu'on y a pour commencer à élaborer, pour dire qu'on y a là, mais faire le route. Mais on a parlé de faire le route. Qui fait le route qui existe qu'on y a là? Est-ce qu'il y a un calendrier qui dit qu'on y a là, mais de telle date à telle date, nous prenons nommer un conseil électoral. Après le conseil électoral, nous allons travailler sur la constitution, soit révision constitution ou bien une nouvelle constitution. Et avec qui secteur que nous allons faire, si au moins, et puis qu'on y a là, mais à partir de qui date qu'on y a là, l'élection va commencer, et jusqu'à ce qu'on y a là, nous arrivons dans l'élection pour être capable de nommer un président le 7 février 2026. Tout cela est pour que j'en sois capable de réaliser avec le conseil 7 membres. Ce n'est pas parce que nous admettons. La population admet que l'excellence est là, mais c'est. Nous sommes capables de dire que c'était eux-mêmes, d'après tout, c'est la seule alternative qui était gagnée pour les remplacer et Ariel Henry, vu que le pays a, pour le seul monde dirigé, c'est un bon problème parce que tout le monde a voulu place président dans le pays a, sans que le pays ne soit pas élu par le peuple. Si nous avons compté que c'est l'excellence qui est là, n'importe élection que tu as faite, pas gagné une donne qui t'a plombé, voilà, même à réaliser 1% de vote. Donc, c'est le seul moyen que Nexao gagne pour être capable d'occuper une place présidentielle. Que ce soit Edgar Leblanc, c'est toujours échoué dans l'élection. Et même élection présidentielle, il a été dans le Parlement, ensemble avec Privé. Et puis, que ce soit l'autre membre qui fait partie de cette membre, on ne va pas inciter au tout. Mais nous voyons que ce n'est pas le concours de circonstances qui permettent que Nexao là et
Même si on a connu là, on a souhaité que connu là, on a réalisé un bagage qui t'a montré que ils répondent avec attente de la population haïtienne. Mais de tout cela, ils ne vont pas jamais marcher avec M. Sao. Donc, connu là, dernière décision, c'est qu'ils ont annulé le débat qui était prévu pour le fait là. Et connu là, on a demandé connu là, qui gens qui ont pas nommé le premier ministre là. Et non, je qui parle de là, vu que aucun décret n'est pas fait, et puis qu'on est là, et selon les critères qui ont été définis à l'avance, il y a par exemple, pour a fait trois tours, et si possible, premier tour, donc, comme nous en parlons, c'était consensus. Si consensus n'a pas été fait, c'est majorité de 5 sur 7. Si majorité de 5 sur 7 n'a pas été fait, c'est le plus grand nombre de. Dans deux derniers candidats, le plus grand nombre de candidats qui ont obtenu beaucoup plus de voix qui a passé. Là encore, et donc ce n'est pas une question de majorité, c'est pas une question de plus grand nombre de voix. Et puis, qu'on y a là, l'autre problème que le Conseil des ministres a imposé à l'Aigle, c'est le fait que qui corrompt qui a gagné parmi eux-mêmes, comme ces sept membres, qui corrompt ils doivent gagner pour capable prendre une décision, qui a prouvé à 5 sur 7. Donc, si par exemple, tu as gagné une qui part là, ou bien deux qui part là, on voit, et à combien de quorum que tu dois gagner, il doit plus que 5 monde, puisque la majorité pour prendre la décision, c'est une majorité de 5. Donc, si quelqu'un qui va par là, il doit, bah, une membre, une sorte de mandat pour être capable de voter en anonyme. Mais cependant, qu'on y a là, qui vient, on n'a pas le voté, qu'on y a là, est-ce que on n'a pas le voté en deux fois, etc., etc. Donc, c'est le problème que, qui est présenté par Nego. Et Nego a fait preuve de, d'amateurisme, il a fait preuve de monde qui vaut vos jambes et évaluer une situation qui est aussi grave dans le pays. Donc, qui fait que qu'on y a là, est-ce que nous parler de échec sur échec, avec c'est le monde qui dit qu'il était capable de diriger le pays. Il a fait des interviews dans la radio et la télévision, fait connaître que, et avec eux-mêmes, tout va marcher très bien, mais cependant, jusqu'à présent, que n'est-ce pas beaucoup travaillé. Nous, là, on a suivi. En attendant, nous voyons que, par exemple, quelques travaux à faire au niveau de provinciaux. Par exemple, CG a dû être dans zone à qui a marché à été monde. Et qui a fait kidnapping, mais c'est des présumés. Et puis, beaucoup de parles, M. Muscadet lui-même, qui a fait un travail excellent à Miagouane, il y a un présumé bandit qui est censé mourir parce qu'il a contrôlé lui. M. Patrick Papier l'amène, mais l'autre l'amène, il est sorti sur un tel camion, il a gagné en bas, et puis il y a un beau camion qui passait, qui prend M. donc il est allé avec M. Donc, ça, c'est quelques petites nouvelles que nous avons. Donc, on a retourné pour une autre bulletin de nouvelles. Pas trop long, encore pour le capable, qui j'en paye à apte ou les. Merci à tous.